Je sais pas si je fais le starter de ce que je fais d'habitude. Si, je vais peut-être le faire, vas-y. Starter, en gros, c'est les bats juste en dessous de moi, là, direct. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a sûrement un joueur qui va venir sur moi. Ensuite, je décale sur les bats à gauche, là, qu'on voit. Ensuite, je joue ceux qui sont au niveau de la route. Et après, j'avance petit à petit comme ça. Ok. Et le problème, c'est qu'ils ont bien joué. Ils ont bien piqué dès le début. Pour moi, il y avait deux joueurs, les gars. Je suis pas fou. Mais je crois qu'il y en avait deux. Un là. Et soit il est là, l'autre. Ou soit il a piqué là-bas et il a pris des trucs. Il est dans le bat. Je me demande s'il n'y en a pas un troisième, hein. J'ai entendu un bruit de plancher. Bizarre. Très bizarre. Pour moi, j'ai entendu un bruit de plancher. Pourquoi à l'extérieur j'aurais entendu un son comme ça? C'est bizarre. Bizarre que j'aurais entendu un bruit de plancher. Je suis sûr d'avoir entendu un bruit de plancher. Pourquoi j'aurais entendu un son pareil? C'est pas possible. Il y a une couille là. Il aurait sauté du plancher de ce que je pense et ça aurait fait ce bruit là. Porte extérieure, plancher extérieur. Ah ouais? What? C'est chelou ça. En fait c'est ça là à l'extérieur mais de l'autre côté que j'ai entendu. Ok. Là du coup on a perdu un peu de temps donc ça veut dire qu'en gros il y a éventuellement un joueur qui va me foncer dessus dans pas longtemps. Il y a personne, c'est pas possible. What? Il y a aucune porte qui est ouverte. What? Ok. Je comprends pas. Y'a personne ici, what the fuck, comment ça se fait? Il serait parti dans les hauteurs plus en haut? Ouais, ça me paraît quand même bizarre là. Même le loot par terre il est bizarre en vrai. Ah y'a un cadavre là. Ça c'est fight hein. Il y a eu un cadavre. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Bateau sur la droite. Je comprends pas très bien. Ce qu'il aurait pris, il serait fight.
Il aurait inventé sur les lotissements qui sont plus au fond vers là-bas, là, sur la route, que j'avais dit au début. Parce qu'il est pas sur la colline. Bizarre qu'il m'ait pas joué. Pourquoi il a pas foncé vers moi pour me jouer? Je comprends pas. C'est quoi sa logique à lui? Des fois, les joueurs, ils sont vraiment bizarres. Donc soit il campe dans un bâtiment, il est en train d'attendre que j'arrive pour loot, et il va me tuer. Sauf que je fais pas du tout ça, je suis en train de me barrer. Les portes ouvertes et fermées, ça veut rien dire. Hein. Souvent, je le dis ça dans les jeux vidéo, et là c'est le cas typique. Tiens, regardez. Par contre, il visait quelqu'un. Clairement, il visait quelqu'un. Il est en mode accroupi, viseur fixe. Tu me la fais pas moi, mec. Ah, vu. Vu. Il est là. Ah, mon shoot est pas ouf là. Ça court. Merci, ça serait cool que tu me la mettes quoi, depuis tout à l'heure je te le demande. Je sens qu'il y a un mec. Tu me la fais pas à moi. Je sens qu'il y a quelqu'un. Il attend que je fasse une erreur, il va me tuer lui. Fais chier, j'ai pas de greu par contre. J'ai beau regarder, je vois pas de... C'est rien que je reste sur le stuff comme ça, je vais crever. Pas perdre de temps sur les stuff. Si tu perds du temps sur un stuff sur PBG, t'es mort. On va se remettre full boisson. En fait, j'hésitais à garder le... Comment dire? La Vector. Elle est très très forte, la Vector, au corps à corps. Le problème, c'est que je me dis que si j'ai pas de snipe, après, j'aurais pu le contrer avec mon AR, tu vois. Je sais pas. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, en vrai. En temps général, j'aurais gardé la SMG, tu vois. J'aurais gardé la Vector, mais là... Parce que j'ai pas fait une grosse erreur. Par contre, il y avait un mec qui a tiré à l'extérieur de la zone. J'ai pas compris. Et le truc c'est que je le vois pas. Soit il est passé au niveau de la flotte. Je comprends pas, ou sinon il est derrière mon dos. Y'a un mec. Je crois que lui il a pas compris. Hein. Pourtant il s'est mangé la balle en plein dans la mâchoire. Ça doit faire super mal. Là je suis en train de la triard la game, je vous cache pas. Hein. Je fais des moves quand, en général quand j'ai envie de... De faire des kills, je fais pas quoi. Là, je suis vraiment en train de la triarde.
C'est-à-dire que j'avance en même temps que la zone avance. Pour savoir s'il n'y a pas des mecs derrière mon dos. Il n'y a que comme ça qu'on peut griller les positions des adversaires. Véhicule. Il arrive droit sur moi. Il s'est arrêté en contrebas, les gars. Il s'est fight. Vu à la fenêtre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est avancer là. Il est mort. Je sais pas où il est le cadavre de l'autre là, j'ai perdu les gars, putain j'aurais dû ping. Tu es vers là je crois. Plus en haut je crois. Merde. J'ai foutu une balle dans la mâchoire, il était pris d'un rocher je crois. Marc j'ai assez de balles. Véhicule. Il monte la zone. Non, il se barre. Il y a un véhicule par contre en haut là. Et j'ai pas le choix que de monter en haut les gars si je veux gagner. Toujours faire attention qu'il n'y ait pas un mec dans le dans la tour de guet allongé par terre contre la ramparde. Trop calme. Vous savez que quand c'est calme, ça veut dire qu'il y a un mec à côté. Là, je suis en train de faire la même technique, attendre que la zone arrive à mon cul et je vais avancer. Le problème, c'est que j'ai peur que là-bas, il y a un mec qui soit allongé en train de m'entendre ou sinon il m'attend en haut là-bas. Bah en vrai, je pense qu'il y en a sûrement un dans les battes là, juste en face de moi. J'attends de savoir si là il y a vraiment personne. Je sais plus si dans le jeu quand tu sautes, est-ce qu'ils ont fait comme Warzone, quand tu sautes tu peux activer le parachute. Je crois qu'il y a un délire, non? Faudrait que je m'en renseigne ça. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y a un délire. Mais bon, le parachute sur PUBG, c'est pas le parachute de Warzone que. Il se veut réaliste donc. Si tu sautes, tu te fais tuer quoi. Auto. Putain, j'aime pas ça. Putain, ça pue vraiment la merde. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va m'attendre tout en haut là? Il va sauter au dernier moment ou il va me piquer, il va me tirer dessus. Il y a tellement de possibilités. Ok, alors attendez. Le problème c'est que la zone avance. Si je le pique... Voilà, je m'en doutais. Voilà. Celui-là il était bolotti hein. Fallait pas que je me loupe hein. Putain que j'ai peur.
C'était quoi ça en haut? Un rocher ou un mec? Shit man. Vous pensez que je peux sauter après les gars ou pas? Au pire, il y a le truc là. Comment je vais faire? Oh shit. Au pire, je peux escalader. Hein. Ça te balance des trucs là-bas, les gars. Là-bas en face. C'est rien que je tire. Là je vais me faire tirer dessus, préparez-vous, regardez bien. Oh shit. Wouh. Non pas ça. Escalade. Oh la vache, ça court de partout. Je tire à côté les gars. J'aurais pas dû me louper. Je vais le regretter. Va bien se passer. Et merde. C'est la merde. Ok, il y a peut-être une technique. Putain, c'est super risqué. Génie, je meurs comme ça. Mon shoot était pas au rendez-vous au dernier.